Demain nous appartient, spoiler, Léo Roussel enlevé par Stanislas sur TF1. Audrey perd son sang-froid sur TF1. Dans les prochains épisodes de Demain nous appartient, Stanislas, Yannick Laurent, parvient à attiser la compassion de Raphaël, Jennifer Lorray. Elle le pardonne pour son excès de violence. Le couple fait ensuite face à Audrey, Charlotte Gaccio, et Sophie Novak, Carole Bianic. La confrontation est organisée par une juge en vue de la garde de Léo Roussel, Paco Blanco. Les critiques fusent des deux parties. Raphaël, avocate de Stanislas, reproche à Audrey de mettre en danger l'équilibre mental de Léo. La serveuse du Spoon perd son sang-froid. Elle accuse Stanislas d'avoir tué sa sœur, Ève Roussel. Raphaël assure à la juge qu'Audrey fait tout pour nuire à l'image de son client. Un peu plus tard, Stanislas reproche à Raphaël de ne pas l'avoir défendu face à Audrey. L'avocate se justifie de ne pas avoir voulu s'acharner sur Audrey. Chez les Roussel, Léo se confie aux enfants d'Audrey. Il redoute de devoir les quitter pour aller vivre avec son père, Stanislas. Que ça soit Jack, Dimitri Fouque, Lizzie, Juliette Mabila, ou Jordan, Maxime Lélu, ils n'entendent également pas d'être séparés de Léo. Léo Roussel disparaît dans Demain nous appartient. À l'aube du dîner, Audrey découvre avec effroi que Léo a disparu. L'enfant n'a pas été revu depuis qu'il a descendu les poubelles. Lizzie entreprend de l'appeler, mais il n'est pas parti avec son téléphone. Audrey est convaincue qu'il a été enlevé par Stanislas. Dans la suite des épisodes de Demain nous appartient, la police lance une alerte enlèvement. Léo reste introuvable. Stanislas nie fermement être lié à la disparition de Léo. La police sait, en outre, rendu chez Raphaël. L'enfant n'y était pas présent. Alors qu'elle est déjà en proie à la culpabilité, Audrey s'attire les foudres de Stanislas, qui lui reproche d'avoir laissé Léo sans surveillance. Dès lors, qu'est-il arrivé à Léo? Il s'avérera que, contrairement à ce qu'Audrey pensait, l'enfant n'a pas été enlevé par Stanislas.